importer et lier des données. Comme avec l'exportation, vous pouvez importer des données d'une base de données Access ou d'autres applications vers Access en utilisant les boutons du groupe Importer et lier de l'onglet Données externes. C'est ce que je vais faire avec vous dans cette petite capsule. Alors, on va importer un fichier Excel dans la base de données. Alors, pour faire ça, on va aller cliquer sur l'onglet Données externes et on va aller cliquer sur Nouvelle source. Et là, on va aller sélectionner à partir d'un fichier. Si c'était une base de données, je pourrais aller sélectionner donc à partir d'une base de données. Mais donc, je vais aller sélectionner un fichier et ensuite, je vais aller sélectionner mon fichier Excel. J'ai l'explorateur de fichiers qui va s'ouvrir quand je vais avoir cliqué sur Parcourir juste ici. Là, je vais pouvoir aller sélectionner donc mon fichier rémunération. Je clique sur Ouvrir et il va s'installer ici donc dans la zone du nom de fichier. Ensuite, dans la boîte de dialogue Données externes, feuille de calcul Excel, je vais aller dans la zone juste ici pour spécifier le mode et l'emplacement de stockage des données dans la base de données active. Alors, j'ai le choix d'importer les données sources dans une nouvelle table de la base de données active, d'ajouter une copie des enregistrements à une table qui existe déjà ou de lier à la source de données en créant une table attachée. Ce que je vais choisir aujourd'hui, ça va être importer les données sources dans une nouvelle table de la base de données active. Une fois que j'ai sélectionné la pastille, j'appuie sur OK. Et là, j'ai l'assistant importation feuille de calcul qui va s'ouvrir. Alors, dans le haut ici, vous voyez que j'ai mon en-tête de colonne. C'est parce que j'ai déjà, moi, de cocher la première ligne qui contient les en-têtes de colonne. Si je la décoche, bien, vous allez voir que tout se retrouve dans la zone blanche. Tandis que si je garde active la case à cocher, eh bien là, j'ai une zone grise qui apparaît pour signifier que j'ai des en-têtes de colonne et toutes mes données sont à la suite dans la zone blanche. J'appuie sur le bouton suivant et là j'ai la possibilité de sélectionner chacun de mes champs, de les renommer si je veux, de les indexer et je peux même changer le type de données de chacun de mes champs. Une fois que c'est fait, j'appuie sur le bouton suivant et là j'ai le choix de laisser Access ajouter une clé primaire, de choisir moi-même la clé primaire ou de ne pas sélectionner de clé primaire du tout. Je vais appuyer sur le bouton suivant. Et là, dernière étape, on importe vers la table. Alors, c'est là qu'on va nommer notre table. Alors, je vais l'appeler par exemple « Rémunération », étant donné que c'est le fichier « Rémunération ». Et ensuite, je peux appuyer sur le bouton « Terminer »,« Fermer » juste ici. Et ma table va s'afficher ici dans le volet de navigation. Donc, je peux double-cliquer pour l'ouvrir. Alors, voilà. Donc, c'est la table que je suis allée chercher directement à partir d'Excel. Et je peux même vous montrer en mode création. Donc, j'ai même le type de données qui a été sélectionné. Puis, on aurait pu là, faire des modifications comme vous l'avez vu précédemment. Alors, voilà. C'est comme ça qu'on peut importer des données d'un autre fichier dans Access.